Je suis une citoyenne. Je suis une gilet jaune depuis toujours, depuis mon enfance. Je ne suis pas une gilet jaune du 17 novembre qui est sortie dans la rue. J'ai ça dans les tripes, j'ai la souffrance de la vie au quotidien. Je n'ai pas attendu le mouvement des gilets jaunes pour sortir dans la rue et dire bah, « je vais profiter, je vais surfer sur la vague ». C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi depuis toujours. Je ne vais pas déballer ma vie, c'est une révolte interne, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, c'est une souffrance depuis des dizaines et des dizaines d'années. On ne nous entend pas, on ne nous voit pas en tant que citoyens. Aujourd'hui, c'est une décision que je prends à titre personnel. Je n'ai trahi personne, je n'ai pas trahi. S'ils se sentent trahis, c'est parce que je pense qu'ils n'ont pas encore compris réellement l'enjeu de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes juste en train de prendre place au sein de la politique parce que nous n'acceptons plus les politiques.